Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Séville. Ce match va se jouer au Ramon Sanchez Pizjuan. Dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. C'est donc un match de poule dans cette UEFA Ligue des Champions. Séville face à Leverkusen. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Sera associé à Ivan Rakitic au milieu de terrain et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Les joueurs qui vont donc débuter pour le Bayer Leverkusen. La formation en 3-4-3, c'est la formation de l'offensive, de l'ambition, de la créativité par le collectif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est parti dans ce match. Le danger dans la profondeur. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Oh, le but de quelques minutes seulement et déjà un but dans ce match. Bombasso. Si tu récupères le ballon trop, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. L'engagement de la part de Leverkusen, il faut réagir après ce but encaissé. Et c'est bien défendu, sans faute. Oui, le long ballon. Et il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions là. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et ballon dans la profondeur. Patrick Schick à la réception. Très bon geste défensif. C'était risqué. Rafa Mir. Vers Lamela, le centre vers la surface et au final cette attaque s'arrête là. Avec une bonne progression dans le camp adverse, la frappe pour l'égalisation peut-être. Pas de détail, un dégagement qui sort du terrain et ça fait donc corner. C'est bien parti pour ce corner et ce corner est dégagé par la défense. Ah, il y a la place pour une frappe. Et voilà l'égalisation avec ce but donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie.
Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Ivan Rakitic. Eric Lamela. Rakitic. La passe vers Rafa Mir. La jolie passe dans la profondeur. Un bon ballon, mais finalement le drapeau se lève. Hors jeu. C'est difficile la coordination. La passe, c'est un don que tu fais à l'autre. Mais attention, si tu démarres trop tôt, tu ne recevras jamais le cadeau. Et ballon récupéré sur cette action. C'est un ballon de contre à jouer. Le ballon pour Isco. Ah, il attendait le ballon plus tôt et il s'est retrouvé en position de hors-jeu. Patrick Schick à la réception. Dans les gants, sans souci. Le ballon change de pied. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Sur le côté, le Bayer Leverkusen a de l'espace. Ah non, finalement, le ballon est perdu. À une bonne contre-attaque peut-être. Rafa Mir. Séville là qui perd le ballon. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Non, là c'est trop. L'arbitre siffle la faute cette fois. Et c'est récupéré ça. La bonne percée, il faut aller provoquer. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre tout ça. Mieux vaut pour tout le monde oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. L'absence d'ambition offensive, ça ne te permet pas d'apporter de la créativité et la précision qu'il te faut dans le dernier geste. On sent déjà beaucoup de frustration à cause de cette situation. Oh, la frappe au but. Oui, c'est contré, bonne défense. Elle est merveilleuse cette passe. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Excellent timing sur cette interception. Johan Jordan. Une belle passe en profondeur. Et c'est Radetzky sans difficulté. Avec Moussa Diaby maintenant. Ouais, la vista avec cette passe. Ballon pour Patrick Schick. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps.
Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs. Le coup d'envoi de la seconde période. Céline qui peut avancer là dans le couloir. Oh, attention à ce centre. Très bon centre, mais personne à la réception pour en faire quelque chose. Tapsoba. À suivre prochainement l'événement, ça sera ce match de Ligue des Champions. Séville affrontera le Bayer Leverkusen. Oui, ce genre de match, c'est ce qui rend les rencontres de coupe toujours fascinantes à vivre. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Super progression dans la moitié adverse. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. Un peu de coaching avec ce changement. Cornea. Quel arrêt, quel réflexe! À bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond des filets. Ah, pas facile de reprendre de la tête. La défense est bien en place. Ah, la mauvaise passe directe sur l'adversaire. Le tir, la frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque à le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. La passe vers Diaby. Peut-être l'occasion de mener au score. Et ça rentre, but! On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Ivan Rakitic. Le ballon pour Johan Jordan. Rafa Mir. Et c'est Isco qui reçoit le ballon. Oh, il s'est bien servi. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Voilà, changement donc. Ah, le corner bien tiré. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Ah, c'est bloqué, sans problème, par Radetzky. Et on en profite pour vous rappeler que l'événement à suivre ensemble, c'est ce match de Champions League. Le Bayer Leverkusen affrontera Séville. Les matchs de coupe sont souvent porteurs d'optimisme. L'espoir fait partie de ces rencontres. Pour chaque équipe, la victoire est à leur portée. Bien donné ce ballon. C'est bloqué sans problème par Radetzky. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah, il y a la place pour une frappe. Et le break est fait. Et voilà, avec une avance confortable maintenant.
Elle était dangereuse, cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lits. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Se incorpora al partido un jugador sevillista. Sale de la cancha con el 21, Oliver Torres. Entrará en el terreno. Magnifique, quelle passe! Quelle difficulté pour Bono là-dessus. Faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Et la pression pour empêcher la relance. Ballon pour Patrick Schick. Le ballon pour Palacios. Patrick Schick. Parade hallucinante à bout portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Et oui, c'est joué en deux temps. Oh, la tentative. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Lamela, En-Nesyri, ah, c'est bien vu la passe d'En-Nesyri, Papou Gomez, bien servi. Et non, c'est pas fini, plus qu'un but pour revenir dans ce match. Et la folie qui s'empare peut-être des dernières secondes, plus qu'un but d'écart maintenant au tableau d'affichage. Sur l'engagement, tout le monde va vouloir partir à l'attaque pour essayer d'égaliser dans la foulée. Goal. 3-2 donc au tableau d'affichage. Et nous jouerons au minimum 3 minutes supplémentaires. Patrick Schick à la réception. Avec Patrick Schick. Mais non, finalement, ça n'ira pas plus loin. Le coup de sifflet final, on en reste là donc dans cette partie. Séville contraint de s'incliner. Quand on est professionnel, on déteste perdre, surtout d'un petit but. Et après autant d'occasions, ça va être très difficile à avaler. Ce corner est dégagé par la défense. Ah, il y a la place pour une frappe.